Et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Comment réaliser une robe simple avec pattes de boutonnage et manches ballon. Les manches sont longues, vous pouvez les faire courtes. Bref, c'est chacun qui verra quoi faire, d'accord? La seule difficulté dans ce tutoriel, c'est la patte de boutonnage. Moi aussi, ça m'a pris du temps de maîtriser cette petite technique. Mais Dieu merci, nous sommes y arrivés. Il y a encore quelques petites imperfections, mais au fur et à mesure qu'on avance, on va s'améliorer. Donc, je vais partager avec vous comment est-ce que je l'ai fait, tout en espérant que vous allez la réussir d'un coup. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce d'avoir ma tata avec moi. C'est elle qui a accepté de modeler. Et j'ai pris ses mensurations, j'ai réalisé le corsage de base et j'ai cousu cette robe. Elle n'a pas eu le temps d'essayer, elle est juste arrivée, elle a porté et tout lui allait très bien. Donc vraiment, c'était une joie pour moi et la voir avec, c'est tellement joli, c'est tellement simple. Donc, et en fait, il y a une personne sur la chaîne, c'était lors d'un live qui m'avait demandé, mais Hiro, est-ce qu'il serait possible que tu utilises les mensurations d'une autre personne pour qu'on voit? C'est juste une astuce aussi comme ça pour celles qui s'entraînent encore avec les patrons. N'hésitez pas à utiliser n'importe quel membre dans votre famille. Cherchez tous les corps possibles pour tester le patron, juste pour savoir si vous maîtrisez déjà la chose. Parce que quand tu maîtrises déjà sur toi, il faudrait que tu arrives aussi à reproduire sur les autres ce que tu arrives à reproduire sur toi. D'accord? Sans toutefois tarder, nous allons commencer avec le tutoriel. Pour le patronage, c'était très facile, vraiment facile comme bonjour. J'ai là mon corsage de base de devant et de dos avec la pince poitrine. Je n'ai pas pris en compte les pinces de taille, je les ai ignorées. J'ai juste pris en compte la pince poitrine parce que je ne voulais pas que le vêtement soit cintré à la taille. Au niveau de l'encolure, je suis descendue de 2 cm. Et au niveau de la taille, comme j'ai dit, j'ai pas pris en compte la pince de taille. J'ai prolongé la longueur au niveau du bassin avec la longueur totale de la robe voulue par la personne. Et j'ai retracé à ce niveau comme ceci. Et ici, je suis remontée de 2 cm et j'ai tracé cette petite courbe. Et pour le dos, pareil, j'ai prolongé au niveau du bassin avec la longueur totale de la robe de la personne. Et ensuite, j'ai fait une découpe ici, comme je voulais mettre cette décoration, comme vous avez vu sur le dos de la robe. Et pareil, à ce niveau, je suis descendue de 2 cm et j'ai retracé la courbe. C'est tout. Ne pas oublier de rajouter les valeurs de couture avant de couper sur le tissu. Là, je commence par ouvrir ma pièce de dos comme ceci et là c'est mon empiècement. Je vais faire endroit contre endroit, mais avant ça je vais d'abord fixer cette partie, ce petit coupon. Ensuite passer à la machine à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, je vais donc prendre mon empiècement, donc je vais relier comme ceci en trois contre endroits en commençant par le milieu et je vais épingler tout le long, passer à la couture à 1 cm du bord et ensuite je vais suffiler ou alors passer au fil zigzag cette partie pour que ça ne se filoche pas. Et lorsque c'est fait, à l'aide du fer à repasser, je vais repasser à cet endroit juste pour coucher la couture à ce niveau et je vais surpiquer. Ça, c'est le devant de ma robe. J'ai la pince poitrine que j'ai placée et ici, ça sera l'endroit où la patte de boutonnage va s'arrêter. Bref, ici, chacun va choisir là où elle doit s'arrêter. Et je prends au niveau des aisselles, comme ça, au niveau des saillants, jusqu'à mon ouverture. C'est cette partie que j'ai prévue qui sera ouverte pour que la personne puisse passer la tête facilement. Et là, ça sera juste pour la déco. Donc je vais vous montrer plus tard comment coudre cette patte de boutonnage. Et là j'ai mes crans comme d'habitude pour les pinces. J'ai une vidéo où je montre comment coudre les pinces. La vidéo sur la robe chemise, c'est le même principe.
Donc je vais attraper les pinces comme ceci et je vais passer à la machine. Et ensuite, je vais repasser. Pour la réaliser, il me faudra deux coupons de tissu et mon corsage avant. Donc là, j'ai un petit morceau de tissu et un plus grand. Le grand coupon de tissu mesure environ 7 cm de plus que le petit coupon que j'avais utilisé. Et là, vraiment, c'est optionnel, ça dépendra de tout un chacun. Je vais donc marquer le milieu de mon corsage avant comme ceci. En fait, avant de couper les coupons de tissu, il faudra d'abord déterminer la longueur de sa patte de boutonnage. C'est ce petit coupon qui va déterminer l'ouverture à ce niveau de l'encolure. Donc c'est cette mesure. Lorsque vous l'avez déjà déterminé, vous pouvez couper le coupon et le plus grand coupon aura environ 7 à 5 cm de plus que le petit. Mais vraiment, ici, ça dépendra du design que tu veux réaliser. Donc, c'est cette mesure que je vais marquer ici. Et je vais faire une ouverture jusqu'à cet endroit, vraiment la mesure exacte. Je rappelle que nous sommes sur le mauvais côté, donc il faut marquer ça, c'est le mauvais côté en face de vous. La mesure que j'ai utilisée était environ 7 cm. Et ici aussi, ça dépendra de tout un chacun. Vous pouvez prendre moins, vous pouvez prendre plus. Moi, j'ai utilisé 7 cm sur la robe. Ensuite, il faudra placer le coupon le plus long de ce côté sur la gauche, comme ceci. Et le coupon le plus court comme ceci sur la droite, vraiment comme sur l'image. Lorsque vous allez travailler, ça sera exactement de cette façon. Disposé comme ça, le côté en droit du coupon de tissu est face au côté envers du corsage et je vais coudre à 1 cm du bord. Il faudra coudre tout doucement et s'arrêter à ce point d'arrêt, mais vraiment allez-y doucement. Ensuite, il faudra soulever le pied de biche en laissant l'aiguille à l'intérieur et basculer comme ceci. Déplacer de cette manière et repiquer là à 1 cm. Piquer l'aiguille, retourner la création comme ceci et coudre. Lorsque c'est fait, couper les fils à ce niveau. Vous voyez, je me suis arrêtée exactement là où il fallait. À l'aide des ciseaux, je vais faire deux crans ici. Faire attention à ne pas couper les fils. Ensuite, je vais retourner de cette manière pour les envoyer vers l'avant, c'est-à-dire sur le côté endroit du corsage. Et ici, je vais m'aider du fer à repasser et repasser à cet endroit pour que ce soit bien marqué. Ensuite, je vais faire un ourlet comme ceci. Je fais d'abord un petit pli de 1 cm et je replie comme ceci sur cette partie que je vais coudre. On passe à la machine. Je répète le même processus pour l'autre côté. Je vais avoir un petit pli d'environ 1 cm. Lorsque c'est fait, épingler et passer à la machine jusqu'au point d'arrêt.
faudra coudre et s'arrêter exactement là. Pour les experts, vous pouvez continuer à coudre. Bon, je me suis arrêtée là pour montrer aux débutants. Donc, on s'arrête là, exactement à ce point. Et ensuite, je vais piquer à cet endroit. Pareil aussi, si vous voulez vous piquer de l'autre côté. Genre une surpiqûre, quoi. Ensuite, il faudra donner la forme à cet endroit. Vraiment, c'est le choix est libre à chacun. Là, j'ai plié comme ceci. Vraiment, regardez seulement ce que je suis en train de faire. Ensuite, j'ai replié comme ceci. Je m'en fais ce petit triangle et j'ai épinglé. Et j'ai surpiqué en suivant la forme, quoi. Donc, je vais piquer comme ceci et m'arrêter là. Et ensuite fermer cette partie. Lorsque j'arrive au niveau des coins, je laisse l'aiguille enfoncée dans le tissu. Je soulève le pied de biche, je le tourne comme je montre en image et ainsi de suite. Voilà ce que ça donne et ensuite je vais surpiquer à cet endroit. Donc je vais juste prolonger cette partie. C'est faisable aussi avant mais j'ai choisi d'aller comme ça étape par étape pour les débutantes. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui montrent comment réaliser ceci. N'hésitez pas à vous entraîner et à regarder d'autres vidéos qui pourront sûrement vous aider. Voilà, c'est terminé. J'ai choisi faire ça en miniature pour que je puisse vraiment vous montrer toutes les étapes. Donc, les formes diffèrent, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous entraîner sur cette technique et on continue avec le tutoriel. Ensuite, je vais créer la parementure. Ici, je vais prendre environ 5 cm, 7 cm, ça dépendra de tout un chacun. Donc, sur un autre tissu plié en deux, pour le devant, je prévois... Bon, j'avais quand même trop pris, mais il faut prévoir minimum 1 cm et demi. Donc, je trace quelque chose comme ceci. Et je vais placer le vêtement comme ceci. Et je vais tracer comme ceci. Ensuite, je vais déterminer la grosseur de ma parementure. J'avais pris 5 cm, je crois, pour aller jusqu'à 7 cm. Et c'est la même mesure que l'on va reporter ici. Et retracer toute cette partie et couper. Là, je vais couper au milieu comme c'est le devant. Et je fais pareil pour le dos. Je plie comme ceci en deux et mon tissu également, il est plié en deux. Je détermine la même mesure pour la parementure comme celle de devant. Je retrace l'encolure. Et sur le milieu devant également, la même mesure pour la parementure. Et je retrace le tout et je coupe. On aura une pièce pour la parementure de dos et deux pièces pour la parementure de devant. Ensuite, faire endroit contre endroit, coudre sur ces parties de l'épaule et fermer tout le long des deux côtés. Pour la parementure également, je fais endroit contre endroit et je vais passer à la machine à 1 cm du bord et ensuite à la surjeteuse ou passer au fil zigzag des bords. Et si j'ai oublié de repasser au thermocollant, ce que je vous conseille pour plus de fermeté lorsqu'on va agencer le tout au niveau de l'encolure. Là, tout est déjà agencé. Maintenant, nous allons placer la parementure. Voici la parementure déjà cousue et surfilée. Donc, je vais repasser comme ceci, vraiment pour que tout soit bien nickel.
Ensuite, ma création est sur le côté endroit. Je vais juste faire endroit contre endroit. Cette partie que j'ai rajoutée, vraiment ici, regardez, plus les images, je vais épingler comme ceci. Et les coutures doivent se coïncider. Au niveau des épaules, tout doit se coïncider. Donc, je vais épingler comme ceci et je vais passer à la machine à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, je vais faire des crans. Je vais repasser à ce niveau. Je pense que ça, tout le monde connaît déjà, on a l'habitude de faire ça. Et ensuite, je vais replier comme ceci. Mais ça, je vais le faire après. Je vais piquer à partir d'ici tout le long. Et toujours s'arrêter près de la pâte de boutonnage qui est en tissu wax. Comme je disais, il faut surpiquer et s'arrêter avant la pâte de boutonnage. Donc ma surpiqûre s'est arrêtée à ce niveau. Maintenant, je vais replier comme ceci pour que ça me fasse endroit contre endroit. Et je vais fermer cette partie. Je vais passer vraiment au bord. Vraiment, je pense que c'est 2 mm juste pour fermer cette partie. En fait, il y a plusieurs façons de faire la finition au niveau de l'encolure, mais je voulais pas un col qui est relevé et je voulais pas de couture au niveau de l'encolure. Mais sinon, il y a plusieurs façons de faire des finitions à ce niveau. N'hésitez pas à regarder sur YouTube, il y a des vidéos qui montrent comment faire tout ceci. Que c'est fait, vraiment, c'est à des millimètres, 1 mm ou 2. Donc, je vais contrôler de l'autre côté comment est-ce que ça se voit. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais couper l'excédent de tissu. Je vais dégarnir ce bout. Bref, je l'ai déjà fait. Et retourner cette partie. Faire pareil pour l'autre côté. À l'aide des ciseaux, je vais repousser pour que ce soit bien ressorti à ce niveau. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais épingler comme ceci et je vais repasser ceci en couture, mais vraiment sur ce fil, juste pour fixer cette partie. Fais pareil de l'autre côté également. Là, c'est terminé. Et au niveau des épaules, ici, je vais passer également là en couture. Passer une couture à ce niveau. 1 cm seulement, vraiment que cela soit invisible. Voici ce que ça donne. Faites pareil de l'autre côté. Voilà pour la manche ballon. J'ai une vidéo sur les manches. Chacune va mettre les manches qu'elle veut. Je vais laisser tous les liens en barre d'infos. Donc je fais endroit contre endroit et je vais passer cet endroit à la machine à 1 cm du bord. Je vais passer au fil zigzag ou à la surjeteuse. J'ai prévu une bande comme ça, c'était pour orner à cet endroit, donc qui sera de la même longueur, et mon élastique, la grosseur dépendra de tout un chacun. J'ai pris pour la bande 2 fois mon élastique avec des valeurs de couture en plus. J'avais un élastique qui avait une largeur de 2,5 cm, donc j'ai pris 5 cm plus 2 cm de valeur de couture. Donc là, ça me donne ceci. Et je fais endroit contre endroit et je vais passer ici à la couture à 1 cm du bord. J'ai repassé cette couture que je venais de faire et j'avais déjà marqué ma bande au fer à repasser pour me faciliter le montage. Ma manche est déjà cousue et passée à la surjeteuse, donc je vais la retourner comme ceci. Ensuite, je vais prendre la bande que je viens de coudre et je vais l'enfiler de cette manière, de sorte que les coutures contre coutures se coïncident. Et je vais juste épingler une partie, pas les deux parties, parce que là, à ce niveau, c'est doublé. Et je vais passer là à la machine à 1 cm du bord.
Voici ce que ça donne. Je vais prendre le fer à repasser et je vais passer un coup de fer à ce niveau pour bien aplatir les coutures. Ensuite, je vais retourner cette manche du côté envers pour faire l'ourlet. Et je vais épingler de cette manière. Vraiment là, c'est plus visuel. Regardez juste ce que je suis en train de faire. Ensuite, je vais coudre sur cette partie tout autour, mais sur le côté endroit. Vraiment à 0,3 mm du bord. Voilà ce que ça donne, tout en laissant une ouverture pour faire passer mon élastique plus tard. Pour mon élastique, je vais mesurer le tour de mon bras, là où je me sens à l'aise. Ensuite, je vais prendre cette mesure, je vais enlever 4 cm, ça sera la mesure de mon élastique puisque ça se tire. Lorsqu'on va tirer, ça va arriver jusqu'à la mesure normale en fait. Ici, le tour de poignet de la tata était de 20 cm, mon élastique, lorsque je le tire, il dépasse même les 20 cm, plus la valeur de couture qu'on va coudre. Donc, on va continuer. Là, j'épingle comme ceci, puisque c'est court et que je dois enfiler. Il ne faut pas que ça se perde en chemin. Donc, je vais enfiler de cette manière. Et je vais prendre l'autre épingle que je vais fixer au niveau de la manche, comme ceci. Et je vais continuer à enfiler l'autre côté. Et ça va me permettre de venir retrouver celui-ci. Lorsque c'est fait, je vais donc attraper l'élastique comme ceci. Et je vais passer à la machine au point zigzag. Et il y aura une couture droite et ensuite au point zigzag pour vraiment fixer cet endroit. Et lorsque c'est terminé, je vais retourner le tour comme ceci. Et je vais fermer cette partie qui me reste. Je vais l'enfiler comme ceci. Et je vais coudre tout doucement. Voilà, c'est fait. Je vais juste maintenant monter ma manche. Ici, je pense que tout le monde connaît. La création doit toujours être à l'envers. Si vous voulez monter la manche de cette manière, la création doit être à l'envers. Et la manche sur le côté endroit. Faites couture contre couture. Épinglez partout. Et passez à 1 cm du bord à la machine. Suffiler ou alors faire un point zigzag tout autour et c'est bon. Pour le bas de la robe, réaliser un ourlet double. Moi j'ai passé à la sujetteuse et je vais juste plier une fois. Et je vais me servir du pied de biche pour me guider. Et je vais faire l'ourlet tout autour et c'est bon. Au niveau de l'encolure, ce que vous pouvez encore faire, c'est une couture invisible, ce que j'ai encore fait plus tard, parce que j'étais vraiment pas satisfait du rendu. Donc j'ai fait une couture invisible et là, tout était vraiment couché. Donc voilà, et ici, vous pouvez mettre des boutons à pression, ce que je n'avais pas. Je n'avais pas à la maison, donc du coup, j'étais obligée de faire une boutonnière. Donc ici, vous faites tout ce que vous voulez, le tout c'est de... voilà quoi. Donc voici ce que ça donne. Ici, ça sera la boutonnière et c'est ici que seront placés les boutons, pardon. C'est ici que seront cousus les boutons et la création est terminée. Voilà, c'était ma première fois de coudre pour ma tata, donc j'étais vraiment contente et j'espère que ce modèle vous plaît aussi. Merci pour vos partages, merci pour vos likes et vos commentaires, mais surtout vos messages d'encouragement que je reçois chaque jour. Vraiment, je vous dis merci parce que sans cela, je ne sais pas. Vous êtes des championnes. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très 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 fort. Bisous. Bye bye.